pleasure to. Je me présente, je suis la propriétaire du chihuahua qui se nomme Lover. Et c'est vrai que j'ai commencé à bien connaître le quartier au moment que j'ai eu mon chien, car ça m'a permis de sortir dans les environs et de vraiment regarder mon quartier d'une autre façon. Quand on a un chien, le quartier est complètement différent. On va plus au contact des gens aussi qui ont des animaux. Et c'est vrai que j'ai fait de merveilleuses rencontres dans Saint-Paul. Et aussi, voilà, je sais que mon chien aime beaucoup aussi se promener vers là-bas, étant donné que c'est très calme. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Même l'été, on a très peu de touristes. Et pourtant, c'est un très 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 beau quartier que là où je vis. Et c'est vrai que même les jeunes n'ont pas le temps vraiment de s'ennuyer parce qu'on a vraiment à disposition pour se divertir. On a des terrains de basket, des terrains de foot, des terrains de baseball, tennis, piscine, bowling. Enfin, on a énormément de choix. Du quartier du Roseguin, qui n'a pas de très bonnes a priori parce que voilà, c'est un quartier avec des immeubles dont ça fait un peu cité, mais vraiment c'est une cité très calme. Enfin, on peut se balader comme ça, les gens ou les jeunes, les plus vieux sont très 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 polis. Et ça fait maintenant à peu près 4 ans que je vis à Saint-Paul-Trois-Châteaux, et c'est vrai que quand j'ai quitté ma région natale pour partir vivre dans la Drôme, quand on m'a demandé de choisir entre tous les villages qui étaient aux alentours, c'est vrai que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est quand même assez calme et c'est très très agréable pour se promener. Donc oui, le maire il organise pas mal de choses dans Saint-Paul-Trois-Châteaux, ce qui est assez bien pour amener du monde. On a des concerts, on a des marchés aux truffes, enfin on a vraiment plein de choix. Des moments médiévaux, enfin énormément de choix. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché à Saint-Paul, parce que c'était un domaine artistique. Oh, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montée de l'amour.